Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Big Birkin bag, hold 5-6 figures. Stripes on my ass, so he call his pussy Tigger. Fucking on a scamming ass, rich ass nigga. Why it's so clutch back, boss niggas love that my weave real long. Do my squats throw that ass back. Love my attitude, so he call me Lil Brat Brat. He love me long time, cause it's cash, yeah, I match that. Never took an L, lesson learned, and I bounce back. Tripping off a nigga, man, for what? I just fall back. I don't have the time to be giving out my time. Haters trying to dim my light. Salut tout le monde, l'audience retourne pour une nouvelle vidéo. Et je suis avec Tiffany, Dalia, Elise. Et on va faire un girl talk hashtag. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis avec Tiffany, Dalia. On va faire un Girl Talk hashtag 4. Mais Eunice, tu es pas pro du tout. Eunice, oui. Pas doute, c'est. Elle a enlevé son sac et lui devant la vidéo. On va parler des histoires des gens qui m'ont envoyé sur Insta. Première histoire. J'avais 14 ans, j'étais en 3ème, j'ai sorti avec un garçon. Lui et moi on se connaissait depuis. Déjà, il y a quelque chose qui est fort. Attends! Elle avait 14 ans et elle sortait avec un gars. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te mettre devant. Pourquoi? A few moments later. La première histoire. Donc, j'avais 14 ans, j'étais en 3ème, je sortais avec un garçon. Lui et moi, on se connaissait depuis petit. À 14 ans, on était jeunes encore, on se faisait des petits bisous. Des petits bisous. C'est pas bon. Mais vraiment sans plus. Un jour on s'était disputé, il m'insultait, je l'ai mal pris, on a parlé pendant environ 2 semaines. Oh non, on a plus parlé environ 2 semaines. Et on a fini par se reparler, depuis cet embrouille il avait changé de comportement. Dans le sens où il devenait de plus en plus violent. Au début c'était des insultes et ensuite il donnait des vrais coups. C'est pas ma roche. C'est pas ma roche. Attends, ça, faut aller porter plainte. Regarde. Voilà, porte plainte. Non, arrête. Attention. Voilà, regarde. T'as fini l'histoire ou quoi? Non, c'est pas fini. Ok, non, laissez-la finir. Non, mais attends, notre avis pour maintenant déjà, ça va pas. Attends, mais le gars, il a aussi 14 ans. Franchement, il a quel âge, les gars? Ça se voit, c'est un simple. 26 ans. Je sais pas. Déjà, de base, à 14 ans, tu sors pas avec les gars. À 14 ans, moi, je jouais quoi, Nintendo? Je sais pas, moi. Déjà, à 14 ans, il te frappe? Pour quel honneur? Parce que ça en fait. Même tes parents te frappent pas. Pourquoi ton copain, Zahama, il va te frapper? Il a même pas bague de promesse, maman. Hein? Elle a pas expliqué, elle a juste dit. Non, parce qu'ils se sont disputés. Mais elle a pas dit pourquoi. Tu me frappes. C'est quoi ça, en fait? On est où? T'as pas moi. Franchement, tu vois. Refrappe. Tu viens, tu portes plainte. Attention. Mais j'ai dit, portez plainte. Enfin bref, on continue. Enfin, c'est vraiment long, les gens. Enfin bref, tu connais les disquettes et les chantages pour bien faire culpabiliser. Au début, j'ai refusé. Je me sentais mal. Ben ouais. Et il n'a pas compris ça. Il disait que ça ne fait à rien, que de toute façon, il ne voudrait pas présenter une bouffonne comme ça à sa mère. Et moi, comme j'étais amoureuse. Je me suis dit, en plus, en me donnant à lui, il m'aimerait plus. C'est pour ça qu'on dit, Tiffany. C'est quoi l'amour? Arrêtez ça, vous avez 14 ans. Ouais. Vous savez même pas c'est quoi l'amour. Des tantines de 21 ans, ils savent aussi pas c'est quoi l'amour. Vous êtes là, vous croyez. Mais les mamans de 50 ans, ils sont même pas en couple. Franchement. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est vrai. Les mamans de 50 ans, ils sont pas en couple. Tiffany, c'est quoi ça? Non, c'est grave gênant. Oui. Mon daron, il me drape. Toi, tu vas venir me taper. C'est quoi ça? Quel honneur. Et tabac qu'on se souvient. Alors au final j'ai accepté, je l'ai fait presque un mois après qu'il m'a demandé. J'ai eu archi mal, je lui disais d'arrêter, ils s'en battaient les... En donnant plus, il m'aimerait plus, elle a cru. À 14 ans. Alors au final, elle a accepté, je crois que c'est un. Alors elle a accepté et je l'ai fait presque un... Je l'ai fait presque un mois après qu'il m'a demandé. J'ai eu archi mal et je disais d'arrêter, ils s'en battaient les couilles. Après, au fil du temps, on le faisait couramment. Il me respectait encore moins qu'avant, il me frappait même. Couramment, c'est genre. Vache, merde, à 14 ans. Il me frappait même sur le visage, il mettait des
chassé dans le nez. Wow. Sachez. Moi, il a frappé moi. Michel. J'étais presque défigurée carrément. Et j'avais peur de lui. Mais en tout ce temps-là, Warzen, allez, enfin, ils sont tes parents. C'est ça en fait. Like, tu rentres à la maison. T'as pas de grande sœur, t'as pas de défigurée, ce que je sais pas comment. On te défigure le visage comme ça. Tu rentres à la maison. Tu dis quoi en fait? Tu mens quoi à 14 ans? Elle s'est battue avec une pote à l'école. Qu'est-ce qu'elle se bat chaque jour? Après, elle aussi, elle va te battre à la maison. Franchement. J'avais peur de lui et plus les jours passaient et plus je le détestais. En mode, c'était pas un amour propre, c'était que basé sur des mauvaises choses. Avec lui, on banalisait les péchés du genre, on fumait des idées à longueur de journée à 16 ans. Enfin, ça avait plus d'intérêt. Au final, si je raconte ça, c'est juste pour dire que j'étais une femme battue à 16 ans et que dès qu'un homme commence à avoir des comportement violent, il faut hésiter à le quitter. Ouais. Déjà, mais en fait, attends, elle a duré 2 ans. Attends, Tiffany, tu n'es pas une femme battue, ok? C'est toi qui as choisi de te mettre en couple à 14 ans. Tu n'es pas une femme battue. Non, je dis la vérité. Une femme battue, c'est quand tu te maries, tu penses que la vie c'est rose. Après, là, on commence à te battre, t'es mariée. Là, toi-même, tu t'as choisi de te mettre en couple à 14 ans. Tu n'es pas une femme battue. Okay. J'étais même pas encore une femme. Arrêtez, t'es même pas une femme en fait. Arrêtez. Non, mais c'est quand même vrai parce qu'on l'a frappée, tu vois. Ouais, ok, mais on l'a battue, mais c'est pas une femme battue. Non, mais parce que toi-même, tu savais ce que c'était pas bien, mais voilà. T'étais là, tu restais avec le gars. Mais après, deux ans. Mais après, je comprends parce qu'à 14 ans, t'es bête, tu vas dire, oh, À 14 ans, non, à 14 ans, on te frappe pas. Désolée. Non, mais il y a des filles à 14 ans, ça c'est des bêtes meufs. Elles vont dire, moi, elle m'aime et tout. Et ça se trouve, elle a pas de daron. Donc, non, le gars, il va te donner l'amour d'un garçon que t'as jamais reçu. Ouais, ça, je sais. Après, tu vois, c'est chaud. Donc, il y a vraiment les filles qui regardent, vous avez 14 ans et votre gars, il vous bat et tout. Faut même pas penser. Déjà, juste parce qu'il m'aime. Vous avez 14 ans, vous avez pas à se mettre en couple. Concentre-toi sur les autres choses. Oui. Parce que nous, on va pas se mentir, à 14 ans, on était en couple. Mais tu étais en couple. On était en couple. On va se mentir. Moi, pas. Hein. Non. Moi, je veux dire la vérité, lui. C'est ça, les autres choses. Pensez comment tu dois avoir des bons points et tout. Ouais. Franchement, l'école c'est important. Hein. Étudier c'est important. Vous rigolez avec l'école. Hein. Moi, je pensais que l'école c'était un jeu. Oula, mais c'est un jeu. Pas de lol. Hein. Continuez. Quand tu grandis, tu te rends compte qu'en fait, que, voilà, ça sert à rien. Je pense que ça sert à rien. Tous ces garçons, ça sert à rien. Franchement. Franchement, c'est des bêtes. Je sais pas, c'est des gros cons. Tiffany, Ayak. Bon, deuxième histoire. En fait, c'était en troisième, donc il y a 2 ans. Ma classe était super cool. En tout, on s'entendait grave bien. En plein milieu de l'année, j'ai commencé à être proche d'un garçon. Toujours les garçons. Vous, si vous n'avez pas d'autres histoires que les garçons, c'est vrai. Non, ça c'est. Comment ça, laisse-les. Toujours les garçons, Oh, parlez de l'école. L'école, c'est difficile. On vous aide. Non, arrêtez avec vos gars. Ouais, moi, j'en ai marre. Bon. On rentrait souvent des cours ensemble. On discutait de tout et de rien. On se chamaillait tout le temps et bref, on était super complices. Au début, c'était pas du tout mon style, même si je le trouvais mignon physiquement. Ok, en plus, il y avait une ambiguïté que j'aimais de ouf. Après, on a été séparés vu qu'on était plus dans le même établissement pendant toute l'année. J'avais aucun sentiment amoureux envers lui, mais c'est pendant les vacances que je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de penser à lui et que je tombais amoureuse. C'est dégueulasse. Okay. Il est ouf. Quelques jours après la rentrée de seconde, j'ai fait le premier plan et j'ai fait le premier pas, vous l'avez écrit. Mm-hmm. Je lui ai parlé sur Snap, j'avais peur qu'il réponde pas, mais il a fini par le faire. On a discuté comme ça pendant 2 soirées, c'était cool. Après, plus rien, je lui envoyais tout le temps des messages, il me lâchait des vues. Le pire, c'est qu'il se foutait de moi parce qu'il a parlé à moi, à ses potes, ça m'a grave saoulée. Déjà, juste quand il te lâche des vues, maman. Arrêtez, envoyer, ça veut dire qu'il veut. Qu'il te... Moi, je vous dis, hein, mettre sa verdure à côté, ça zèque, Maïka. Donc, attention. Moi, je vous dis, non. Non, voilà. Mais pourquoi lui, il ne se calculait pas d'abord. C'est ça, en fait. Ça veut dire qu'il s'en foutait, en fait. Mm-hmm. C'est ça. Du coup, je l'ai enlevé de Snap, mais à chaque fois que je le rajoutais, parce que je pensais tout le temps à lui. Un an plus tard, je ne l'ai toujours pas oublié. Je pense à lui moins qu'avant, mais il est toujours dans ma tête. C'est pour ça que j'ai plus confiance au garçon et que je m'y attacherai plus. Et tout ça pour vous dire, ne vous attachez jamais au gars. Franchement, c'est juste parce que toi, ton gars, il servait à rien. Il voulait pas. Ouais, il voulait pas en fait. Parce que là, en fait, c'est une histoire. Toi, mais tu le voulais et lui, il te voulait pas. Mais attends, donc voilà quoi. En fait, tu peux pas forcer un gars à s'attacher à toi. C'est juste à l'école.
Non, même pas, même non, pas. Non, mais elle a dit parce que dans la vraie vie aussi. Mais les garçons, c'est comme ça. Les garçons, c'est vraiment comme ça. Or, après, ils vont mentir à leurs potes, ils vont parler à leur. Alors que rien du tout. C'est maman. Ça, c'est ça. Les garçons, oublie-le. C'est toujours comme ça. Oublie-le, franchement, c'est un conseil qu'on donne. Les garçons, oublie-le. C'est vraiment. Parce que s'il te veut, il allait te contacter depuis longtemps. C'est ça, en fait. Surtout, quitte à sur Snap. Il non, contacté. C'est juste parce qu'ils étaient dans la même classe, il avait rien à faire. Mmh. Ils se disent à l'école et tout. Parce que t'as cru les amis à l'école, on les calcule après l'école ou quoi? Même pas. Ah oui. 8h16h 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 T'auras plus faim, t'auras plus faim. Ah, faut manquer ton gars. C'est ça en fait. Toi qui te manques. Salut, donc j'ai besoin de vos points de vue, mais juste, tu pourrais pas dire mon blase. Oh. Ça c'est sûr, on dit jamais les blases. On dit jamais les blases. Donc t'inquiète. J'ai été en couple avec un gars et j'ai commencé à l'aimer de ouf. Je comprends pas. Faut arrêter d'aimer. Non, mais attends, non, franchement, je comprends vraiment pas. Mais genre, elle était avec le gars et après, il s'aimait de ouf. Genre, était... Mais tu te mets pas en couple. Après là t'aimes la personne. Mais si. Non mais si. Mais genre, moi j'ai compris. Avec le temps ça va. Ça d'abord sur autre ça arrive. Non d'abord sur ex en libre. C'est Dieu. Non vous se mettez en couple quand mais vous êtes. Mais pas nous. Non mais tu pas en couple. Les gens répondent avec le temps vous tu tombes amoureuse et tout. Genre ah non. Je donc toi tu tombes d'abord amoureuse. Oui. Oh. Toi t'es tombée amoureuse de tous tes ex. Tu vas nous faire ta bouche. Voilà tu vois c'est pareil. Bref. Sauf que le gars faisait jamais d'efforts, ça me saoulait car je faisais plein de trucs et tout. Alors un jour, je lui ai dit, soit tu fais des efforts, soit c'est fini. Mais moi, j'ai compris sur le moment que c'était fini, or que pas du tout. Et je lui ai fait comprendre que c'était mort car flemme. En plus, le gars, il allait à Namur. Et ça, c'est seulement les Belges. Toujours. Mais les gars là. Sauf un jour, on s'est disputé et Georges lui a envoyé. Hey je lui ai envoyé des photos, mais j'étais en souvenir. Oh putain, fou. Oh my god, mais je suis choquée, je suis choquée. Oh putain. Non. Donc c'est fini, c'est après que t'envoies. Boule. Pourquoi pas pendant la relation? Maman. Genre brassière et le gars m'a affiché en disant que j'avais envoyé des nudes. Mais genre, tu vois quand t'as mis un petit truc. Ça c'est pas vraiment un nude mais moi. Bref, ouais. Mais après il est venu s'excuser blabla. Après, ça c'est vraiment les trucs des Belges. Vous aimez trop faire ça. Foutre la merde après venir s'excuser. Non, les Français ils en ont rien à foutre. Ils font ce qu'ils veulent. T'affiche, bats les couilles. C'est ça en fait. Même si t'es ma pote, je bats les couilles, je t'affiche. Et genre qu'il veut qu'on soit potes, etc. Est-ce que tu penses que le gars m'aime toujours et surtout est-ce qu'il m'a vraiment aimé? Déjà pour commencer, il t'a pas aimé parce que en fait déjà si moi, vous savez pas si t'aimes quelqu'un, tu fais tout pour la personne pour qu'elle soit contente. C'est toi, ça. Zama, tu vas montrer à la go, Zama, je t'ai affiché, après t'es là, tu vas dire, oh, mais en fait, je t'aimais. Pourquoi tu veux montrer qui? C'est ta gueule, en fait. Ferme ta bouche. Déjà, voilà le gars, si tu regardes la vidéo, va te faire foutre. Toi, vraiment, tu mérites des. Tu mérites qu'on t'affiche même tes vieux couilles, là. C'est ça. Ah ouais, non, il t'a jamais aimé, en fait. T'as jamais aimé. Désolé, même si ça fait mal au cœur, mais il t'a jamais aimé. Il t'a vraiment jamais aimé. Parce que, déjà, quand t'es avec une personne, tu fais des efforts. Toi, tu fais pas d'efforts, tu l'aimes pas. Moi, je suis désolée. Voilà. Bon, il y a une suite. Ouais. La situation a un peu évolué. Le pote à mon ex est venu me parler. On a eu des bords pendant un moment, mais j'ai préféré de stopper cette relation car ça serait à rien. Ça servait à rien. Ouais, ça servait à rien. Mais mon ex est parti raconter à tout le monde qu'on avait des bails ensemble, ce que je n'ai pas compris. Tu penses qu'il m'aime toujours. Mais toi aussi. Oh putain, mais pas en plus, t'as l'audace, tu me demandes. Non, franchement, non. Je sais pas si tes potes t'ont conseillé, mais t'as jamais aimé. Point barre. Next story. Donc, j'ai un meilleur ami qui s'appelle Beurre. Il me drague alors qu'il est en couple avec Mayonnaise.
Mais pourquoi t'as donné des places comme ça? Non, mais elle donne des places comme ça. Il dit que je suis bien formée. Je suis complètement gênée parce qu'il fait que me regarder même devant sa meuf. Sa meuf ne m'aime pas. Je ne sais pas. Mais sa meuf, c'est pas sa pote. Non, mais il y a une meuf, mais il drague l'autre. Après, c'est mayonnaise. Mais pourquoi vous rigolez, lui? Je ne sais pas quoi faire. Denise, pourquoi tu parles comme ça, toi? Mais parce que c'est... A few moments later. Salut, je te raconte ma situation. J'ai un meilleur ami, on va l'appeler Mayo. Mm-hmm. On se connaît depuis la 5e. On a 14 ans. Mm-hmm. Avant qu'il se mette en couple avec Beurre, Mayo et moi, on était hyper proches. Ça fait un an qu'il est avec Beurre, mais il me fait toujours des compliments. Je l'aime, entre parenthèses. Il me dit, ouais, tu as des putains de formes. Les filles, vous aimez ça, cul. Les mecs en couple. Les filles, vous aimez les mecs en couple. Franchement, t'as un gros ça cul. Ça tire. Toi, tu fermes ta gueule. Ah, toi, on va te draper. Donc, t'as un gros cul et des ins. Ça me fait plaisir, mais... Mais en fait, attendez, est-ce que quand un garçon il vous dit ouais, vous avez des grosses fesses et tout, c'est un compliment? Ça vous fait plaisir? Eh, moi ça me fait grave plaisir, hein! Parce que ça me gêne de ouf, ouais. Moi, mais ça dépend de la personne. Non, toi, t'as kiffé. Hein. Non, franchement, je vous dis la vérité, ça dépend de la personne. Mmh. Si c'est la bonne personne. Ouais, si. Si c'est ton baby, Zazie, like, come and zip me down. Non, là, y'a pas de souci. Mais si c'est des bêtes gars là, à deux balles, oula, mais moi je vais te dire, t'es fou. Je te bloque the needs, period. Et des fois, en maths, il met ses pieds sur ma chaise derrière et commence à toucher mes fesses. Oh putain! Ah, mais au lieu de concentrer le temps, ce que le prof il dit, en plus, maths touche les fesses. Là, en plus, internet, tu touches ses fesses à fond. Allez! Franchement, en fait, j'ai l'impression. Ces petites, elles se font tellement du mal à la tête. Oh. Franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. J'ai ma team, touche les fesses. Comme ça, elle est là. Je l'aime, Alain, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Maman, tu l'aimes pas. Ça, c'est attirance physique. Tu vois. En fait, j'ai même pas envie de savoir le reste de l'histoire. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que t'es juste sex body. C'est quoi sex body? C'est quand le mec il s'attire juste physiquement. Dedans, il en a rien à foutre. Mais ça sert à rien quand tu l'aimes à faire. Mais rien! Ouais, tu fais rien, tu. Maman, arrête de parler avec lui, si vous parlez, c'est juste pour être pote normal, mais c'est pas comme si. Même pas, ordinaire. Franchement, moi, mon pote, je vois qu'il commence à me taper des trucs comme ça, je le fais stop directement. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça, t'es mon pote, tu commences à me toucher, gros? C'est une folle, quoi. T'es malade ou quoi? Maman, t'as quel âge? 14 ans. Oh putain, mais c'est quoi, vous, depuis 14 ans? Vous êtes quel âge? C'est 2004. C'est 2004, vous êtes des cas perdus. Coucou MTBO, je vais te raconter une histoire pour moi et tu es comme une grande sœur. Et j'ai besoin de tes conseils en fait. Genre maintenant je suis en couple avec un petit qu'on va appeler Kevin. C'était pas l'autre histoire où il y a Kevin, toujours des Kevin. C'était le garçon de l'église. Allez, regarde cette vidéo. Franchement. Maintenant on est en couple, mais c'est pas officiel, t'as capté. Genre j'ai fait un truc. Mais ça veut dire que vous êtes pas en couple. Ah, les filles, franchement, ils doivent arrêter ça. Tant que le mec il vous a pas dit ouais, on est en couple, vous êtes pas en couple. Vous êtes en bord, même bord. C'est pas officiel, t'as capté. Genre j'ai fait un truc qu'il fallait pas et je regrette. Ah, maintenant c'est toi la fautive, ça c'est bien. C'est toi la fautive. Okay, c'est bien les histoires comme ça aussi. Okay. Moi j'aime bien ça. T'as vu? Un jour, un gars que je connaissais vite fait des réseaux est venu me parler et c'est parti en couille. On s'est envoyé des. Oh putain, on s'est envoyé des nudes. Ah, c'est. Que... Elle était pas en couple. Non, mais à fou, même. Moi je suis censée être en couple avec Kevin. C'est pas officiel. Mais je l'aime et c'est pas ce qui m'a pris de faire ça. Après, j'ai regretté, j'ai bloqué le gars de partout. J'espère qu'il t'a pas affiché, hein, parce que si c'est ça la suite. Et en lui disant que c'est mort et tout. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je dois lui dire à mon copain ou pas, franchement, j'ai peur et je veux pas le perdre. J'ai fait un foot et je regrette vraiment assez pour ta vidéo, merci. Bon, déjà, premièrement, tu savais pas que t'étais en couple avec Kevin. Mais vous étiez ensemble. Enfin, on va dire qu'ils étaient en bord. Mm-hmm. Mais t'as pas à te justifier parce que vous êtes pas en couple. Voilà, c'est ça en fait. Mais... Non, mais en fait, si elle dit à Kevin maintenant, Kevin il va dire envoie-moi aussi. Non! Kevin, si c'est un bâtard, il va dire envoie-moi aussi, je te pardonne, il t'affiche. Et là, c'est mort. Où ça, où
soit. Il va plus vouloir. Parce que vous êtes en bord. Il va dire. Parce que là, bord, c'est test. Like, test period. Yeah, test season. Yeah, yeah. Ça veut dire, ouais, il va se dire, ouais, si maintenant on se met en couple. Si, mais va commencer à faire des belles, ouais, c'est ça. Vrai. Là, vraiment, t'as vraiment foutu la merde. Donc, c'est deux. Ou soit il va dire, en roman, si, et je t'affiche. Ou soit il va dire, gros, c'est mort. Nous deux, c'est mort. Ouais. Et si toi, tu veux vraiment Kevin, tu l'expliques. Si il fait son choix, il fait son choix parce que toi t'es fautive, genre tu mérites quand même, tu vois. C'est ça en fait. Si il veut plus de toi, on comprend. Ouais, franchement on comprend parce que t'as pas envoyé des nudes, gros. Hein, vous êtes parlé sur les réseaux, tu l'envoies des nudes, arrête tes couilles frère. En vous êtes jamais, vous étiez même pas en bord. C'est ça en fait. Salut Ardila, j'espère que tu auras mon message et que tu te feras un plaisir de lire et me donner quelques conseils. Alors voici mon histoire pour ton talk. J'habite au Canada et je suis encore en primaire. Ah bon, on va couper l'émission, c'est quelques petits. Attends, Annelise, elle est en primaire. Mais tu vois, hic. Non, elle est en primaire. Ah ouais, je suis en primaire, Is. Je suis en primaire, Is. Primaire, t'as 12 ans, Max. 6ème. Oh. Mais non, mais attends, j'ai mal à la tête. Non, mais elle a doublé plusieurs fois. Dans ma vie, non, mais t'es en primaire. À fou, il y a des trucs. Tu vois, il y a des trucs qui se disent pas. Arrête tes couilles. Mais tu t'as même pas encore lu. Peut-être c'est. Hein? Peut-être elle s'est trompée. Je parle de l'eau. Et c'est. Waouh. Non, primaire, elle a vraiment. Elle a du primaire. En ce moment, je suis en 5. Non! Arrêtez la vidéo! Elle a 11 ans! Elle a 11 ans, gros! Arrêtez vos couilles! Elle a 10 ans, elle va avoir 11 ans! Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qu'elle fout ici, man? Non! Elle a pas d'histoire à raconter, Ardila! Non, arrêtez! Oh non! Concept! Arrêtez! Oh non! Ok. 5ème. Putain. Vous êtes au canal. Attends. Moi, je suis en 5ème. Et depuis l'année dernière, j'ai un pote. Une pote à moi, on va l'appeler Laura. Au début, quand elle était arrivée, elle était archi sympa, même avant, bref, une amie. Oh, qui... hein, ok, c'est une histoire comme ça. Okay. Oh, désolée. Désolée, on croyait que c'était un peu. On a cru aussi. Oh, désolée, parce que moi, je pensais qu'elle allait me parler de garçon ici. Bref, mais peut-être la fille, elle est lesbienne. Hein. On sait jamais. Oui, lis seulement. Elle était comme moi. Mais cette année, elle a grave changé, je t'explique. On est maintenant dans des classes mixtes, mélangées avec des plus vieux, donc Laura est dans la même classe que sa sœur. Et sa sœur est pas mal la plus populaire du groupe. Donc vu que ses potes de sa sœur sont potes avec Laura aussi. Depuis je suis devenue pote avec ses potes, ouais. À elle, genre je leur parle tout normal et tout. Mm-hmm. Et ils commencent à m'afficher en public, faire des trucs qu'elle faisait pas avant, genre. Exemple, je suis avec une de ses potes et je marche avec elle, bah Laura me pousse sur le côté, prend ma place. Et elle me prend ma place. Ça c'est des jalousies. Elle est jalouse. Ouais, c'est vraiment des gamineries ça. Putain. Ou bien vu qu'on a des casiers, putain, vous avez des casiers en primaire. Certains de ses potes ont tendance à pas m'attendre si je suis pas prête en même temps qu'elle. Donc, rush my life, cause you know I ain't wanna be the last bitch. Et puis Laura, elle bloque mon casier avec son pied. Oh, mais Laura, c'est quoi? Laura, c'est la canabane. Et je trouve que tu dois juste. Fais-toi une fake friend. She's fake. She's really fake. Tu l'as next my à ça. Parce que si ça continue comme ça, gros, en secondaire, tu vas te faire baiser pareil. Genre, pas comme ça, hein, mais genre, t'auras plus de joie. Genre, elle te dominera, tu vois. Voilà, genre, les gens ne voudront plus rester avec toi parce que, tu vois. Mm-hmm. Donc, vaut mieux déjà arrêter la relation. L'amitié. Ouais, l'amitié déjà maintenant. Que après, franchement, des potes comme ça, je vous dis, c'est pas une vie. Hein. Donc je peux pas ouvrir mon casier et puis bah, elle part avec ses potes et elle me laisse seule là. Elle est méchante, hein. Piece of shit. Mm. Donc, wow, t'es vraiment gentil. She's a motherfucking ho. Ou un jour je travaillais sur un projet et je savais pas que quelqu'un a fait la même que moi. Et Laura arrive, elle me dit, ah mais c'est pas le truc que t'as copié ça. Oh putain. C'est pas son ami. Bref, plein de remarques comme ça, inutile, gênante. Il y a même des fois où elle me gifle en public, elle me dit t'inquiète. Non, c'est non. Moi je dis déjà, tu vois les amis comme ça là. Elle te gifle. Genre ma pote elle me gifle et. Genre moi je te gifle. Okay. Non, mais si c'est genre rigoler en mode comme ça, tu te dis yes. Non, même moi tu me gifles la bête, tu veux pas. Après, c'est pour rire. C'est pour ma gueule. C'est pas pour rire.
Il y a pas les gosses en les garçons peut-être. Non mais ça existe hein. Mais même juste pas pour les garçons, juste en général quand il y a des gens. Elle change les corps. Elle commence, non, elle commence à te regarder devant les gens. Quand ils sont en groupe, voilà, tu vois, alors que genre, elle te dit rien de base à toi-même, mais quand elle est en groupe, quand elle est pleine de ses potes, elle commence à faire la règle avec toi. Frère, non, c'est pas comme ça. Même les gars qui font ça, allez me faire foutre. Eh, les gars qui font ça, franchement, c'est des poussières. Franchement, c'est des poussières, c'est des bêtes. Bref, carrément, le diable en perçant cette fille, genre, elle te lâche pas une semelle et je sais pas quoi faire parce que. Si je lui dis que ce que je ressens, elle va niquer ma réputation de deux. On dirait qu'elle a du contrôle sur moi. J'espère que tu l'as vraiment l'histoire, bref. Ouais. Moi je dis qu'elle doit juste prendre. Même pas, tu dois même pas la dire. Elle a même pas. Prends du temps. Tu prends même pas. Tu lui fais comprendre que gros, toi et moi on est plus potes. Voilà, c'est ça. Parce que wesh. Elle va pas tuer, hein. Peut-être elle va niquer. Ça se voit, elle est jalouse de toi. Mais moi, je suis jalouse de toi. Ouais, peut-être elle va niquer ta réputation. Gros, t'es en 5ème, 6ème. Tu n'as pas de chance en secondaire, c'est bon, t'as des autres potes. C'est ça en fait. Non, mais franchement, même les filles qui me regardent, si vous voyez des potes, elles sont un peu fake et tout. Même pas parler, oh ouais, pourquoi t'es fou? Ouais. Faut prendre distance. Faut prendre distance. Direct. Prendre distance. Je te jure, c'est mieux. Au lieu de se disputer là, vous allez se battre là-bas, je sais pas où. Mm-hmm. Non. Non, c'est cool. Non, je sais pas. Ouais. Donc voilà. Et attendez, j'ai un dernier conseil. Vous voyez, il faut écouter vos potes. Parce qu'il y a des potes, elles ont. Tu vois, quand elles parlent pas pour rien. Donc, faut écouter vos potes. Non, mais elle a raison. Franchement, écoutez vos potes. Écoutez les bonnes potes. Les bonnes potes. Parce qu'il y a des potes. Pas les leurs. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, ben. Donc, je crois que c'est la fin de la vidéo. Bon, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, girl, I'll give a fuck, ok? Mais bon, à la prochaine. Bye! Bye!